dis-moi, t'as regardé les commentaires de ta première vidéo sur la Révolution ? Je sais plus. Pourquoi, qu'est-ce qu'ils disent ? Et qu'ils veulent l'histoire du collier ? Non. J'aurais pas dû proposer, moi. Bon, alors on fait quoi ? Parce que moi, ça m'intéresse, cette histoire, quoi. C'est vrai, pour une fois que je m'intéresse à un truc, il faut... Ok. Eh ben, tu sais quoi ? Si ça t'intéresse tellement, c'est toi qui vas t'en charger. De quoi ? T'es sûr ? Mais oui. Ça changera un petit peu. Moi, entre les corrections et les préparations, j'ai trois fois trop de boulot, de toute façon. Bon, ok. Mais je te préviens, on fait ça à ma sauce, hein. Écoute, comme tu voudras. Je te configure ça. Et tu peux y aller. Bon, au début des années 1770, deux bijoutiers qu'on appelle les Boomer se disent qu'ils vont créer le collier le plus beau du monde et ils vont le réserver à la comtesse du Barry, la maîtresse de Louis XV. En fait, il n'y a que le roi qui aurait assez d'argent pour se payer ce bijou à 1 800 000 livres. Pour info, un ouvrier peu qualifié gagne environ 10 livres par mois à cette époque. Les bijoutiers, ils se sont endettés de ouf pour acheter tous les diamants qu'ils allaient mettre sur le collier. Le problème, c'est qu'une fois Louis XV mort, la comtesse, elle est exilée, et il n'y a plus personne pour acheter le collier. En fait, aucun des rois ou reines d'Europe n'en. Homer, il insiste grave auprès de Marie-Antoinette, mais elle l'envoie balader. Pourtant, en 1785, elle reçoit un petit mot des bijoutiers pour la remercier d'avoir changé d'avis. Et là, elle comprend que dalle, elle a jamais accepté quoi que ce soit. Alors elle charge deux personnes, dont le baron de Breteuil, d'enquêter sur cette histoire louche, et il lui apporte, en main propre, un bon de commande signé Marie-Antoinette de France. Bon, là, c'est clair que c'est un faux, puisque comme toutes les reines de France, elle signe son nom de jeune fille. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? Celui qui devait régler la facture est une personnalité importante, le cardinal de Rohan. Grand aumônier de France, évêque de Strasbourg, chevalier de l'ordre du Saint-Esprit. Auteur du parchemin, le druidisme expliqué aux personnes âgées. Eh ben c'est bon, c'est bon. Quand la reine, elle apprend ça, elle est furax. D'autant que la rumeur se répand qu'elle a un collier qu'elle refuserait de payer. L'enquête va révéler une affaire d'escroquerie intelligemment montée par une habile manipulatrice. Revenons quelque temps en arrière. La petite Jeanne est une orpheline de la branche illégitime des Valois, la famille du roi Henri II. Elle passe une enfance dans la misère. Et surtout, elle rêve de vivre une vie à la mesure de sa lignée. Par quelques hasards, elle se retrouve sous la protection du cardinal de Rohan, mariée à un certain comte de la Motte, ce qui fait d'elle la comtesse Jeanne de la Motte. Sacrée manipulatrice, elle arrive à obtenir toujours plus d'argent du cardinal, et puis elle se dit que peut-être que se faire passer pour une confidente de la reine Marie-Antoinette, ça lui serait encore plus profitable. Marie-Antoinette, elle déteste le cardinal de Rohan, surtout depuis qu'il a été ambassadeur à Vienne. Lui, de son côté, il rêve de pouvoir retrouver les faveurs de la reine. Jeanne de la Motte, elle trouve la situation beaucoup trop parfaite. Du coup, elle lui fait croire que la reine a une très bonne opinion de lui au cardinal, et elle va en profiter pour commencer à écrire des fausses lettres avec l'aide de son amant. Rohan y reçoit ça, il est ravi. Les lettres, soi-disant de Marie-Antoinette, deviennent de plus en plus intimes. Plus ça va, plus le cardinal il est chaud bouillant. Du coup, il réclame un rendez-vous. Jeanne, elle essaye bien de noyer le poisson, mais il y a un moment où elle peut plus reculer. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle organise une rencontre avec un sosie de la reine, de nuit. La mise en scène, elle suffit à enflammer le cardinal. Alors, quand il reçoit les premières demandes d'argent, soi-disant de la reine, bah, il n'hésite pas. Jeanne, elle se frotte les mains. Elle a un pigeon à elle toute seule qui va lui permettre de vivre la grande vie. Et c'est là qu'on arrive à l'affaire qui nous concerne. Jeanne apprend par hasard l'existence du fameux collier des Baumeurs. Alors, elle les convoque pour leur dire qu'elle va s'arranger pour les vendre à un grand seigneur. En l'occurrence, le cardinal de Rohan, qui vient confirmer ses dires. Une fois les versements convenus, Jeanne fait croire à Rohan que c'est Marie-Antoinette qui veut le collier, et elle lui apporte un bon de commande, signé Marie-Antoinette de France. Le cardinal y récupère le collier, il va à Versailles pour le remettre directement à la reine, un visiteur aux couleurs de la reine se présente, alors le cardinal s'éloigne un petit peu, et le visiteur prend le collier et s'en va. Ce visiteur, c'était sans doute l'amant de Jeanne. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Emballé, c'est pesé. Jeanne, son mari, son amant, ils démontent le collier au couteau de cuisine et ils en revendent les morceaux. Le comte de la Motte, il revend des diamants super chers à Londres pour le dixième de leur valeur. Les embrouilles, elles continuent pour le cardinal.
Madame de la Motte, elle fait croire que Marie-Antoinette n'a pas assez d'argent pour continuer à payer tout de suite. Alors le cardinal, il sert d'intermédiaire avec les joailliers. Il négocie un rabais, voire même, il fait lui-même des avances. Fin juillet 1785, le cardinal découvre que le contrat a une fausse signature. En août, Madame de la Motte, elle raconte aux joailliers ce que le cardinal a découvert, que c'était un faux. Mais elle les rassure en leur disant que Rouen, il allait quand même payer. Et du coup, lui, il est obligé de payer dans le silence par peur du scandale. Et Jeanne n'a pas fini. C'est là que sa dernière ruse se met en place. Elle se rend en pleurs chez le cardinal. Elle lui raconte que Marie-Antoinette allait tout nier et que du coup, elle allait chercher à leur nuire. Bluffé jusqu'au bout, le cardinal, il aide Jeanne de la Motte à s'enfuir de Paris, tandis qu'il est sûr de rien craindre de Marie-Antoinette. On est donc arrivé là où on avait commencé notre histoire, l'été 1785. Suite à l'enquête de Breteuil, Marie-Antoinette, elle reçoit un mémoire le 12 août. Elle est furieuse. Qu'on lui coupe la tête ! Le scandale éclate le 15 août, jour de la fête de l'Assomption à Versailles. Louis XVI convoque le cardinal et lui, il balance tout direct. Il est arrêté devant la cour et ça fait l'effet d'une bombe, je vous dis pas le scandale. Rohan est alors conduit à la Bastille sur les coups de minuit, escorté par le marquis de Launay en personne. Vous savez, le gouverneur de la Bastille. Bien sûr, vu son statut, il n'est pas logé dans un cachot. Il est dans un super appart avec traiteurs, domestiques et visites. Les aristocrates y font bloc derrière Rohan. Les gens se retournent carrément en faveur de Rohan, comme quoi il serait persécuté par la reine qui refuse de payer un collier. Côté justice, la comtesse, elle est retrouvée, elle est arrêtée et évidemment, elle nie en bloc et elle met tout sur le dos du cardinal. En septembre, l'affaire, elle est donc confiée au Parlement. Attention, hein. À l'époque, le Parlement, c'est une haute cour de justice habilitée à juger la haute noblesse. Si le cardinal conserve une certaine dignité pendant le procès, la comtesse, elle se donne en spectacle. On la décrit hystérique, s'esclaffant de rire, puis elle fond en larmes, elle est totalement incohérente. En gros, elle fait sa victime. L'affaire n'est démêlée qu'en mars 1786. Le 31 mai, la sentence est prononcée. Galère à perpète pour le comte de la Motte. Bannissement à perpète pour l'amant de Jeanne. Quant à elle, marquage du V de voleuse au fer rouge, puis prison à perpète. Et leur sentence est irrévocable. Au final, et à une courte majorité, le cardinal, il est déchargé de toute accusation. Pire, il est même pas obligé de présenter ses excuses à la reine. Imaginez comment la reine est vénère. Le roi de son côté, il est sûr que Rohan est coupable, et vu qu'il avait déclaré que la dignité de la reine avait été compromise, c'est une grosse baffe pour le couple royal. Le roi décide alors d'arracher toutes les fonctions, les honneurs qu'il peut au cardinal, et il l'exile en Auvergne. Et ça se retourne contre eux. L'opinion publique hurle à l'arbitraire, à la tyrannie. Et de son côté, Marie-Antoinette en prend encore plus pour son grade. Elle est accusée d'avoir monté cette affaire de toutes pièces. Jeanne, quant à elle, elle est conduite à l'échafaud, elle se débat comme pas possible, et une fois que c'est fini, elle se débat encore plus et elle mord un de ses exécuteurs jusqu'au sang. Tu lâches. Au final, cette histoire fait un scandale pas croyable, et un nouvel espace public avide de rumeurs se révèle pendant cette affaire. Si Louis XVI avait réglé cette affaire dans le secret comme l'aurait fait son grand-papy Louis XIV, ça se serait passé nickel. La réputation de Marie-Antoinette en souffre énormément dans l'opinion publique qui se déchaîne contre elle. De son côté, Louis XVI, il en ressort affaibli politiquement et symboliquement, notamment face à la haute noblesse et au Parlement. La confiance du peuple dans la famille royale en prend un sacré coup. Et puis, on essaye de faire taire les publications mensongères. Et comme toujours, quand un pouvoir essaye de faire taire les publications clandestines, on les croit encore plus que l'information officielle. Toute ressemblance avec l'actualité n'est absolument pas fortuite. Ah, et de son côté, Jeanne de la Motte, elle parvient à s'évader en 1787. Elle écrit ses mémoires, qui se vendent vachement bien. Elle écrit même son autobiographie dans l'idée de faire réviser son procès, sauf qu'elle meurt en 1791. D'après Wikipédia, elle se serait jetée par la fenêtre. Le cardinal de Rohan, quant à lui, il est élu député du clergé aux états généraux en 1789, puis il émigre en 1791. Et ce qui nous renvoie au début de la Révolution. La boucle est donc bouclée, cette afterclass est donc terminée. Bon bah, ça s'est bien passé. On espère que ce hors-série vous a plu. N'hésitez pas à nous en réclamer d'autres, hein. Je me ferai un plaisir de lui donner du boulot. Allez, salut quoi ?